Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver. La paracha de cette semaine, c'est Ekev, c'est le nom de la paracha de la semaine. Ekev, ça veut dire à la suite de ou en conséquence. Et dans cette paracha qui fait partie bien sûr du Deutéronome, de la répétition de la loi, du livre de Dvarim, le cinquième de la Torah, les paroles, dans cette paracha, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Et dans la paracha, il y a entre autres le chapitre 8 où il y a deux versets auquel on va s'intéresser particulièrement. Le verset 5 qui nous dit que peut-être que la punition de Dieu sur les enfants d'Israël, c'est comme celle d'un père sur son fils. On va examiner ça, pas d'inquiétude, on va décortiquer et tout ira bien. Et l'autre verset auquel on va s'intéresser, c'est le verset 10 du même chapitre qui nous dit « Ve'achalta ve'savata uvrachta et Adonai Elohecha » c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, la bénédiction après la nourriture. Tu mangeras et tu seras rassasié et tu feras des bénédictions à la suite de ça. C'est les deux versets qui vont nous intéresser dans un contexte d'annulation, d'interdiction par l'État de la punition, de la fessée. Est-ce qu'il s'agit de punition? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Que peut nous apprendre la Torah sur ces questions et comment comprendre ces versets? C'est ce que nous allons voir. Alors, le verset litigieux ici, c'est le verset 5 qui nous dit « Et tu examineras avec ton cœur et tu sauras que la façon dont l'Éternel te tourmente, c'est la même façon que celle dont un homme tourmente son fils. » Et donc ici, c'est comme s'il y avait une vertu pédagogique au comportement de l'Éternel, mais quel comportement? Celui de tourmenter. C'est quelque chose de compliqué. Est-ce que ça renvoie directement à la punition? Qu'est-ce que c'est que ce mot meyasrecha? C'est yissourim. Est-ce que c'est du mot yissourim dont il s'agit? Les commentateurs ont différentes visions autour de ce mot et on va les examiner tout de suite. Pour Rabbi Abraham Ibn Ezra, les tourments qui sont infligés au peuple d'Israël, en fait, c'est la difficulté du voyage. Donc c'est le fait d'avoir peut-être faim, d'avoir peut-être soif, dans le voyage qui conduit de l'Égypte à la terre de Canaan. Et on a l'impression, à partir de son commentaire, que l'idée, c'est que à travers ces manques, on permet ces manques, eh bien, on est plus en mesure d'apprécier ce qui ira bien, Haaretz Hatova, la bonne terre. Donc dans ce cas-là, c'est pas une punition infligée, mais c'est simplement le fait de faire le chemin vers quelque chose nous donne le sens de la valeur de cette chose. Et donc, de même que les parents laissent aux enfants le temps de faire leur chemin et de désirer et de travailler pour arriver à obtenir quelque chose, de la même façon, l'Éternel laisse au peuple le temps de comprendre qu'il va rentrer dans une bonne terre. C'est le temps qu'on consacre aux choses qui leur donne leur valeur. Ça, c'est l'interprétation d'Abraham Ibn Ezra. Un autre commentateur qui s'appelle le Chizkuni, et lui, il interprète les difficultés ou les souffrances infligées aux enfants d'Israël comme étant le fait que la manne tombe petit à petit. Donc chaque jour, il y a de la manne qui tombe, la nourriture qui vient du ciel, et les enfants d'Israël ne peuvent pas l'avoir entièrement d'un coup, ils sont obligés à chaque fois de l'attendre, et c'est ça qui aurait une vertu pédagogique pour le Chizkuni. Un autre commentateur qui a une interprétation intéressante, lui, il dit le mot « yassar », c'est pas pour dire des « issourim » qui sont des souffrances, mais c'est du mot « moussar ». Moussar, c'est la morale. Donc, il faut comprendre le verset de la façon suivante. L'Éternel te transmet un savoir et une morale comme un père le ferait, ou comme un homme, plus précis dans le verset, comme quelqu'un transmet une morale à ses enfants. Vous voyez que, heureusement, on s'est bien écarté de l'idée de la punition. J'aimerais évoquer quand même une question qui est une question peut-être d'une dureté ou d'une discipline qui aurait à avoir et qui est évoquée par la suite dans le texte de la Torah et qui dit qu'on court le risque d'attribuer nos réussites à nos propres mérites. Nous, on a réussi parce que nous, on le mérite, et peut-être d'autres qui ne les réussissent pas, c'est parce qu'eux ne le méritent pas, et on risque de se durcir de cette façon dans son cœur, peut-être comme Pharaon lui-même le faisait, de se durcir dans son cœur. Et ça, c'est une chose qu'il faut éviter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut reconnaître que ce que nous recevons, ce n'est pas notre mérite. Bien sûr, on fait de notre mieux et on souhaite que nos efforts réussissent. Mais aussi, on a la chance que ça marche bien. Il faut dire que ça vient de Dieu, ça ne vient pas que de nous.
Ça nous permet d'avoir de l'ouverture vers ceux qui ont plus de difficultés et d'être dans l'entraide vis-à-vis de ceux qui ont plus de difficultés au lieu d'être dans le jugement. S'ils souffrent, c'est parce qu'ils le méritent. Et c'est là qu'on arrive à ce verset très important. Toujours dans le chapitre 8, c'est le verset 10. Et tu mangeras, et tu seras rassasié, et tu feras des bénédictions, et tu remercieras l'Éternel ton Dieu, tu feras des bénédictions. Et ce passage, c'est le commandement du Birkat Hamazon lui-même qui en dérive. Et donc, ça nous dit que quand on mange, quand on est satisfait, quand on s'en sent contenté, eh bien c'est important de dire que ça doit être une bénédiction, qu'on doit en remercier l'Éternel. Et qui est l'Éternel? Celui qui soutient ceux qui tombent, qui redresse ceux qui sont courbés, qui soutient les malades, et que nous devons être solidaires dans toutes ces actions. Donc quand des choses bien nous arrivent, il faut aussi les répercuter. Pour conclure, je dirais que c'est parce qu'on répercute ce bien vis-à-vis de l'extérieur, tout ce qu'on reçoit, on essaye de le redonner. C'est parce qu'on le répercute qu'on a une morale, comme le dit le verset 5. C'est parce qu'on le répercute qu'il y a une conséquentialité positive et qu'Ève, qu'une bonne chose en amène une autre et qu'on continue à avancer, que dans les moments difficiles, on n'est pas jugé mais on est aidé, et que dans les moments glorieux, eh bien, on ne juge pas les autres mais on aide les autres. Et comme ça, on est ensemble, en toute hypothèse, en restant fort et tourné vers l'avenir. Shabbat Shalom.